Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur un jeu. C'est un jeu développé par le développeur Drôle et l'éditeur Drôle. Et ce jeu, c'est Sumper. Un jeu qui est sorti déjà il y a un moment, puisqu'il date de 2016. Et ici, c'est de la version PS5 dont je vais parler. Alors, les jeux de rythme se sont multipliés ces dernières années, mais rares sont ceux qui ont su proposer quelque chose de nouveau. Sumper, lui, y parvient. On est aux commandes d'un vaisseau lancé à toute vitesse sur un rail. Le joueur n'aura d'autre chose à faire que d'appuyer sur la touche croix. Ça pourrait paraître simpliste. En fait, il va rencontrer divers obstacles qui vont l'obliger à appuyer sur cette touche, mais aussi à la coupler avec les touches droite et gauche, voire haut, ou en restant appuyé selon l'obstacle à franchir. Diverses commandes qui vont permettre de varier le gameplay et qui vont permettre d'avancer en se lassant jamais. On est en fait à mi-chemin entre le runner et le jeu de rythme. Parce que souvent, deux échecs seront punitifs et vous obligeront à reprendre à la dernière section. Sauf si vous parvenez à reprendre un peu de vie, ce qui est loin d'être simple, le jeu propose aussi des boss pas simples du tout et une difficulté progressive plutôt bien dosée. En tant que jeu de scoring, Sumper propose aussi évidemment des scores à la fin de chaque session basés sur vos réussites et vos échecs. Et cette expérience qui reste aussi musicale ne peut s'apprécier pleinement qu'en essayant d'obtenir les meilleurs scores constamment. En plus de cela, le titre est très beau dans son genre et propose un mode VR que je n'ai pas pu tester mais qui a toutes les chances d'être renversant. Sumper, dans son genre, c'est tout simplement un des fleurons, un des jeux les plus réussis, qui propose une durée de vie comprise de, on va dire, 5 heures en ligne droite et une bonne quinzaine si vous êtes perfectionniste et que vous cherchez à avoir les meilleurs scores. En tout cas, il y a largement de quoi s'amuser. Et c'est un jeu que je vous conseille fortement si vous aimez les jeux de rythme. Ou si vous aimez simplement ce type de jeu, ou les runners, ou les deux. Bref, faites-vous plaisir avec Sumper qui est en plus proposé actuellement sur le PlayStation Store pour les abonnés PS Plus gratuitement. Que vous ayez aimé ou pas Sumper, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous.